Salut tout le monde, c'est Jolade, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Scrap Mécanique. Et il y a pas longtemps, j'étais en train de me perdre dans les fins fonds du YouTube. Oui, ça m'arrive à mes heures perdues, comme tout le monde. Quand tout à coup, une vidéo, ou plutôt un titre percuta mon œil de lynx. Un titre portant mon nom, en gras, en majuscule. C'est alors que naturellement, je cliqua sur cette vidéo. Et je suis tombé sur un défi qui m'a été lancé par Cyrise sur Scrap Mécanique. Il m'a lancé le défi de construire un avion de ligne. Un avion de ligne, un Airbus A380, un Boeing, appellerez ça comme vous voulez. Mais vous voyez que tout doucement, on va y venir à cet Airbus A380. Donc bref, pourquoi ce défi et pas les autres, allez-vous me dire? Bah car déjà premièrement, j'ai vu mon nom dans le titre, ça m'a percuté. Et deuxièmement, j'ai trouvé son défi de taille. Donc pendant que je vous parle, vous verrez sa vidéo derrière moi. Vous pourrez constater que ce n'est pas un petit défi, mais ce n'est pas irréalisable non plus. Eh bien Cyrise, laisse-moi te dire que tu vois ton petit avion de ligne là? Eh bien je vais le sublimer. Je vais le sublimer à la manière Jolade. Ça va être un truc de fou, ça va être grandiose. Donc bien sûr, avant de commencer ce défi, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, de la partager pour plus de scrap mécanique. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Comment que je prends mon air violent quand je dis ça? Allez, let's go. Très bien, nous allons commencer par construire la base. J'ai l'impression qu'une fois de plus, j'ai vu grand. Mais de toute façon, il est là le principe, hein. On n'est pas en train de construire un coucou. On rappelle qu'on construit un Airbus A380, un avion de ligne. Eh bien, ce sera donc parfait. Donc, je vais commencer à modéliser le nez de l'avion, tout doucement. Vous allez voir comment qu'on va faire ça. Ça va prendre certes un petit peu de temps, mais ça va être quand même bien. Y aurait-il pas un truc qui cloche au niveau de la symétrie du nez de mon avion? Je crois bien que si, hein. Bon, très bien, j'ai fait le nez et le pare-brise de notre Airbus A380. Alors là, tout de suite maintenant, je pourrais pas vraiment vous dire si c'est la copie conforme d'un pare-brise d'un Airbus A380, mais... ça y ressemble un petit peu. Disons que ça fera l'affaire. Bon, donc ce que je vais faire là, c'est que je vais surélever un petit peu mon pare-brise, histoire de faire un toit. On va faire ça bien gentiment, tranquillement. Oh, j'ai tout mon temps, moi. Je fais pas la course. Par contre, quand ça va être fini, ça va être grandiose. Hein, regardez voir ça. Alors, il est pas joli mon nez d'Airbus A380? Il est quand même pas mal, non? Tiens, là il est encore mieux là. Là je préfère. Bon, je vais continuer le toit jusqu'au bout et ça va être bien cool. Alors, ça prend pas de la gueule tout doucement, hein? Moi je dis que ça va être pas mal, hein. J'espère juste que ça va pas finir en crash tout ça. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais le refermer tout doucement. Ça va être un truc de malade. On va faire des murs. Là, voilà, impeccable. Waouh. Putain, comment que c'est sombre, mon vieux. C'est limite glauque, quoi. Ah, bah voilà. Tiens, regarde donc. Hein? Elle est pas belle celle-là? Regarde voir ça. On va faire une super porte. On va la faire avec des blocs comme ça. Parce que faut quand même contraster un petit peu. J'aime bien moi. On va mettre un petit ordinateur par ici. Juste au-dessus comme ça. Hop là, ce sera parfait. Tiens alors, qu'est-ce que ça donne? Regardez voir ça. Elle est pas belle ma porte d'Airbus? Et c'est pile poil à ma taille mon vieux, putain. Fallait pas que je la fasse un cran plus petite, hein. C'est délire. On va faire des petits hublots comme dans les Airbus. C'est des petites. Petits machins quoi. Ça va être cool, tu vas voir. Voilà, impeccable. Regardez voir ça. Hein? C'est pas magnifique? Ah si si, franchement, moi je dis que j'aime bien. C'est franchement sympatoche. Attends, il y a un truc qui va pas là, non? Je vais agrandir un peu mon pare-brise, ça me plaît pas. Voilà, là c'est pas mal. Hop là, regardez voir ça. Alors, il est pas beau? Il est magnifique, oui. Ah bah c'est impeccable ça, voilà. Bon, ce qu'on va faire, bah c'est que je vais mettre des sièges, comme dans les Airbus en fait. Eh mais va falloir que j'engage des hôtesses de l'air après. Bah oui, forcément. Voilà, regardons ça. Eh ben c'est impeccable là. Là, ça c'est nickel, impeccable. Voilà, comme ça je vais pouvoir accueillir mes petits passagers. Ils vont monter par là et tout. Ça va être génial, c'est impeccable. Ça me plaît moi. Par contre il y a un truc que je vais faire.
Ah, il y a un truc que je vais faire juste ici, je pense. Bah ouais, à votre avis, qu'est-ce qui manque dans cet avion de ligne? Eh bah, il manque des toilettes. Et ouais, mesdames et mesdames. Tiens, voilà. Eh bah, tu feras pipi dans le lavabo, mon vieux. J'ai trouvé que ça. C'est impeccable. Donc là, on a nos toilettes. C'est super. Ah, par contre, ça me plaît pas. Voilà. Hein? Ah, petit peu de décoration quand même là-dedans, mon vieux. Je trouvais ça vachement monotone. Putain, mon vieux, qu'est-ce qu'elles sont grosses les plantes là-dedans? Eh bah, tiens, on va les mettre là. Impeccable. Comme ça, ça fera un petit peu une porte, mon vieux. Eh bah, tu fais comme dans la jungle. Tu prends les feuilles de machin. Hein? Comment qu'ils font à Koh-Lanta, mon vieux? C'est comme ça. Eh ouais. Et puis, ils se plaignent pas. Quoique, ça dépend. Bien sûr, on va mettre un petit panneau à l'entrée de l'avion ici. Parce qu'on dit toujours, vaut mieux prévenir que guérir. Au moins, on dira pas que. Hein? Tiens, je vais même en mettre un deuxième. Voilà. Comme ça, ça fait bien. On va installer le siège de pilotage ici. C'est nickel. C'est vachement symétrique. Non? On va faire, bien sûr, une petite muraille. Ça va être bien sympatoche. Avec la porte pour entrer dans la cabine de pilotage. Là, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Qu'est-ce que ça donne, voir, quand j'appuie là? Hein? Ah bah, c'est... Eh bah, c'est pas grave, mon vieux. Tu te baisseras. C'est les risques du métier. Voilà. On rentrera dans la cabine de pilotage en se baissant, mon vieux. C'est les risques. C'est comme ça. Eh ouais. Comment qu'ils font les pilotes et tout là hein? Eh ben c'est comme ça mon vieux. Donc bah tiens, on va la laisser ouverte. Ça fera bien sympatoche. Bien sûr, ce n'est pas un avion de ligne. Bah si on met pas de roues. Eh ouais, faut des roues sur un avion de ligne. Là, impeccable. Allez vas-y là, descends de là mon vieux. Ce délire. Et ben, bah c'est pas mal. On dirait on dirait une grosse boîte avec des roues. Tout simplement. Mais c'est quand même pas mal hein. Bon, par contre, du coup, il y a un truc que j'avais pas pensé. C'est que je vais avoir de la peine à rentrer dans mon Airbus maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, effectivement. Effectivement, je vais avoir de la peine. Et ben, je rentrerai avec mon ascenseur, mon vieux. C'est comme ça hein. Comment qu'ils font chez les Airbus et tout là hein? Et ben voilà, ils ont des ascenseurs. Merde, putain. Hein? Ça va pas être la merde, mon vieux, pour faire rentrer les clients à part un comme ça. Eh ben, ils se démerderont, mon vieux. Qu'est-ce que tu veux que je leur dise, moi? C'est comme ça. Voilà, c'est pas autrement. Allez, hop. Hein? Pas non plus, hein? Ils veulent pas que je leur déroule le tapis rouge non plus, non? Bon, bien sûr. C'est pas un Airbus. Si. Bah, s'il y a pas d'ailes. Hein. Et donc, on va faire des ailes. Ça va être bien sympa. Voilà mon vieux, on va faire comme ça. Des grandes ailes pour un grand Airbus. Bah ouais, sinon ça décollera pas. Et bah je vais faire la même de l'autre côté. Là, impeccable. Et bah c'est parfait ça, j'ai envie de dire. Deux belles ailes d'Airbus. Ouais. Ouais. C'est pas trop mal, disons. Voilà. Ça fera l'affaire, ça va s'envoler. Hein, regarde donc. C'est pas beau tout ça? Alors, il est pas magnifique mon machin là? Je vais mettre des moteurs, tiens, parce que. Bah ouais, faut des moteurs pour les roues. Pourquoi j'ai l'impression que mon Airbus il est en train d'avancer tout seul là? Il est en train de glisser tout doucement. Tu vois? Tu vois que ça c'est un Airbus qu'en veut ça? Il en veut! Tu vois, il demande qu'à décoller. Bien sûr, on est d'accord que c'est pas un Airbus s'il n'y a pas de réacteur. Un Airbus sans réacteur, c'est pas un Airbus, je vous le dis direct. On va pas en mettre tant que ça, on va en mettre 2-3. De toute façon, ça sert à rien de le blinder. Là, voilà. Bah, il y en a bien assez, mon vieux. C'est pas mal comme ça. Il devrait pas mal avancer avec ça, je pense. On va en mettre, bien sûr, 2-3 sous les ailes. Là, bah, impeccable, regarde-moi ça. Il est pas beau, mon Airbus, avec tous ces réacteurs, là. Il va peut-être bien quand même un brin décollé avec ça, non? Putain, maintenant, ça va être le moment chiant, mon vieux. Va falloir que je connecte tous ces réacteurs à ce siège là-bas. Bon, bah j'en ai pour 3 petites heures et je reviens. Oh le délire!
regarde ça ce bordel. J'ai carrément connecté tous les réacteurs à l'interrupteur en fait. Bah ouais, je les ai pas raccordés au siège. Ok, je crois que là j'ai tout connecté. Oh putain, regardez-moi ça ce bordel quoi. C'est un truc de malade. Je crois bien que c'est la plus grosse construction que j'ai jamais faite. Bon, et bien maintenant c'est l'heure de vérité. Nous allons aller essayer tout ça. Bonjour mes petits messieurs dames. Oui, alors là va falloir bien sûr que je rentre dans mon Airbus. Bonjour, bonjour, c'est le pilote. On va fermer la porte. Si j'arrive à la fermer. Attends, il est où l'interrupteur? Il est là. Et hop, vas-y. Impeccable. C'est cool parce que maintenant je pourrai plus jamais ressortir. Si je veux sortir de mon Airbus, il va falloir que je casse la porte. Tu vois ce que je veux dire? Normal. Bonjour mesdames et mesdames. Ici la compagnie Airbus Jolat. J'espère que le voyage va bien se passer. J'espère aussi que vous avez une bonne assurance. Amen. Allez, c'est parti. Oh le délire. Oh putain. Bah déjà mon vieux, ça avance hein, j'ai envie de te dire. Hein? Ça fait pas semblant. Regarde ça. Mais c'est rien. Ça va le faire. Il y a juste un problème. C'est qu'il tourne pas en fait. C'est juste ça. Si j'appuie sur 1, ça devrait avancer un peu plus vite. Tout à fait. Parce qu'il y a les réacteurs. Et si j'appuie sur 2, on devrait décoller. Ouais, on décolle, regarde. Merde. Zélère, attends. Merde. D'accord. Attends, ça... bouge pas. Ça va bien se passer. Je vais... Putain, je suis carrément coincé, quoi. Bon, eh ben écoute, hein. Voilà, j'ai cassé la porte, mon vieux. Eh ben, ça fera un courant d'air. C'est pas trop grave, ça. Je vais monter... comme ça, hop. Ouais, impeccable. Putain, le... faut être acrobate pour monter dans mon Airbus. Mesdames et mesdames, c'est encore ici la compagnie Airbus Jolat. J'espère une fois de plus que le voyage va bien se passer. Amen. Allez, c'est parti. Let's go, on va allumer les premiers réacteurs. Attends, il n'y a pas d'arbre devant, impeccable. Ok. On allume les ailes, c'est parti mon vieux. On décolle. Le délire. Je suis sorti de la cabine de pilotage mon vieux. Merde. Ce délire. Mais je suis carrément je suis sur le dessous de l'avion en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et bah c'est quand même pas mal hein. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est les réacteurs, c'est vrai, j'avais mis l'interrupteur ici, je m'en souvenais plus. Bah ouais, je redécouvre mon Airbus à l'envers, tu vois ce que je veux dire? Je le vois sous un autre angle en fait. C'est un truc que j'avais pas pensé, mais il est pas mal dans ce sens-là. C'est quand même bien, moi ça me plaît. Bon, et bien voilà, c'est quand même pas mal. Au moins, il y a un avantage qu'il a à l'envers. Et bah c'est que tu vois, regarde. Et bah je peux monter dans mon Airbus comme ça. Tu vois, j'ai pas besoin de l'ascenseur. C'est quand même sympatoche, non? Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Hein, regarde donc, je peux aller dans ma cabine de pilotage. Oh, le délire. Ok, c'est parfait. On voit les choses sous un autre angle comme ça, tu vois. Bon, très bien, on va s'arrêter ici pour ce défi. Surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai relevé le défi. Vous mettez un petit plus 1 dans les commentaires pour me dire si je l'ai relevé. Et vous mettez un plus 12 si je l'ai à moitié relevé. Donc voilà, et ça fera bien plaisir. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, pourquoi pas la partager. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye! Il est quand même pas mal mon Airbus. Moi j'aime bien. Hein.